n'est pas simplement la chaleur, ce n'est pas simplement la lumière, ce n'est même pas simplement chambouler le temple, chambouler son appartement. C'est un peu tout cela, bien sûr, mais c'est aussi tout ce que nous allons découvrir et dérouler tout au long de cette semaine de Noël qui a été préparée en partie par les enfants de l'école publique, les catéchumènes, mais également les louveteaux, les éclaireurs, les éclaireuses et leurs chefs. Une fête de Noël, c'est d'abord une fête familiale. Nous sommes ici chez nous. Nous sommes ici chez nous parce que nous sommes accueillis les uns les autres par ceux qui ont préparé cela et aussi par Dieu qui nous accueille. C'est un privilège encore. Nous avons l'habitude ici de nous saluer comme on se salue dans une communauté chrétienne en se disant que la grâce et la paix nous sont données. Voilà ce que nous recevons encore cet après-midi. Et puis, nous sentons bien qu'il y a d'autres choses aussi pour Noël. Un arbre a été dressé. Il y a du sentiment, des cadeaux. On sent qu'il y a des surprises ici ou là. Mais tout cela a besoin d'être arrangé. Tout cela a besoin d'être ordonné en quelque sorte pour donner du sens. Alors ensemble, nous allons essayer de donner encore un peu de sens à Noël. Pas simplement se souvenir qu'il y a bien des années, un événement important a eu lieu, mais qu'aujourd'hui encore, en cette bonne année 2009, en ce mois de décembre, aujourd'hui, il se passe encore quelque chose. C'est peut-être le sens de ce cantique que nous allons chanter maintenant. Sur la feuille verte qui nous a été remise, il y a ce cantique au peuple fidèle. Cantique idéal pour bien commencer une fête de Noël. Notez à quel point ce cantique est au présent. Il ne parle pas du passé, il parle d'aujourd'hui. Alors, chers amis, levons-nous pour chanter dès à présent ce Noël que nous célébrons. Thank you.
Et quand on fête Noël, il y a des cadeaux. Alors, par quel cadeau commencer? Vous voulez commencer par quel cadeau? Le gros? Le gros, alors. Quel cadeau? Ce cadeau, c'est la famille. On se retrouve en famille. C'est l'occasion de recevoir les gens que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Un des plus grands cadeaux, c'est de savoir que cette famille s'est agrandie. Chez nous, pour Noël, on a tout chamboulé. Pour faire de la place, on a poussé tous les meubles. On a mis le bureau de ma chambre au salon. Comme ça, tous les enfants pourront manger ensemble. À la place de mon bureau, on a mis un matelas pour ma cousine Marion. Elle restera chez nous presque toutes les vacances, parce que ses parents sont allés voir son frère. C'est mon cousin aussi, qui fait ses études à Pékin. Et puis, tant pis pour la télé, on l'a descendu à la cave pour faire de la place au sapin. Chez nous, à Noël, on chamarre de tout. On allume un feu dans la cheminée. Et pourtant, il fait déjà tellement chaud. Les adultes rient. Mais comme ils parlent fort, on peut chahuter un peu. On a même droit au goûter au chocolat avant de passer à table. Et puis on se couchera après minuit. Chez nous, à Noël, on chambarde de tout. La famille n'arrête pas de s'élargir. En plus de papy et mamie, des cousins et des cousines, il y a la dame d'à côté, notre troisième mamie, qui n'a pas d'enfant. Il y a le parrain de mon frère qu'on ne voit presque jamais, et il y a le copain de ma sœur Jeanne, tout timide et qui rougit dès qu'on lui parle. Chez nous, à Noël, il y a plein de choses froides à embrasser. Effectivement, à Noël, la famille n'arrête pas de changer. Il y a toujours quelqu'un de nouveau qu'on ne connaît pas. La famille s'est agrandie et aujourd'hui, dans la famille que nous formons, nous recevons en même temps la troupe de l'oratoire, la compagnie et l'émeute et plein d'autres personnes qui, pour l'occasion, apprennent à connaître ce temple et renouvellent cette famille. Et bien justement, pour Noël, en ce jour, il faut arrêter de ne serrer la main que des gens que l'on connaît. Et pour cela, levez-vous et dites bonjour à une personne que vous ne connaissez pas, et qui est à côté de vous. Maintenant, avec les unités de l'oratoire, nous allons chanter Kumbaya My Lord, ce chant scout qu'ils ont appris pour l'occasion et que les enfants de l'école biblique ont appris pour l'occasion. Et ce sera le moment de prouver justement que nous sommes cette grande famille qui se réunit en cette occasion. Thank you.
C'est l'occasion pour la grande famille que nous sommes de se rassembler. Mais continuons à ouvrir les cadeaux et voyons ce que nous réserve cette suite, la suite de ce rassemblement. Un tambourin. Et c'est vrai que Noël, c'est aussi l'occasion, alors qu'on est rassemblés en famille, de chanter les uns avec les autres pour s'unir par le chant et former la famille, souder les différents liens justement qui nous font nous réunir en ce jour. Et ainsi, on chante plusieurs cantiques. La première nuit de Noël, des bergers ont entendu les anges chanter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Depuis, les hommes fêtent Noël par des chants. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, nous dit l'apôtre Paul. Et plus tard encore, on a remarqué combien chanter, ça revenait prier deux fois. Le chant, c'est un cadeau que les hommes se font pour dire leur joie. Et c'est aussi un cadeau qu'ils font à Dieu pour lui dire merci. Alors, cette fin d'après-midi, comme un cadeau que nous nous faisons les uns aux autres et comme un cadeau que nous désirons faire à Dieu, nous pouvons mélanger nos voix en chantant le cantique 375 « Gloire à Dieu ». Alors, nous le ferons en canon et nous allons nous séparer en trois grands ensembles. Vous allez vous commencer, vous suivrez à mon signe. Et puis, nous sommes moins nombreux que vous et nous essaierons de tenir la concurrence. Hein. Nous ici, le troisième. Le canon. Hein. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, mais sur la terre, c'est la Bon, alors l'espace était trop grand pour qu'on puisse s'entendre. Peut-être qu'on n'était pas tous très sûrs. Alors on va le chanter tous ensemble une dernière fois, mais alors vraiment avec tout notre cœur et tout notre souffle. D'accord ? Et tous ensemble. Hein. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Emma. Vous pouvez vous asseoir. Alors maintenant, ouvrons le troisième cadeau que contient ce premier grand cadeau. Et oui, à l'intérieur, des décorations et des guirlandes. Et effectivement, à Noël, c'est le moment où on décore ce sapin, qui pour l'instant n'est revêtu que de ses aiguilles. De fêter Noël le 25 décembre, juste au beau milieu de l'hiver, au moment où la nature s'est mise en sommeil, au moment où toutes les couleurs sont délavées et quand les arbres dégarnis nous font croire que tout est mort. Ils ont cherché autour d'eux pour voir ce qui pourrait aider les hommes à penser à Jésus, car Jésus, c'est à lui tout seul, le signe que la vie est plus forte que la mort. Pour dire cette espérance, ils ont choisi le sapin parmi les quelques arbres qui tiennent bon contre l'hiver. L'espérance, c'est le sapin qui reste vert dans la forêt endormie. L'espérance, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est sur Dieu, reste fidèle. Son amour est comme un sapin qui résiste au froid. Son amour est comme un sapin qui ne meurt pas. Et justement, ce que nous rappelle le cantique d'un arbre séculaire, c'est que les chrétiens, au cours des siècles, ont pris l'habitude de décorer cet arbre, ce sapin, qui est à la fois le symbole de l'espérance, qui est à la fois le symbole de la vivacité continue et d'une force séculaire. Eh bien, guirlandes, boules, pommes, petits cadeaux avec lesquels on décore ce sapin, ces éléments rappellent que l'on accroche son espérance à l'amour de Dieu, un amour qui ne meurt pas, un amour qui reste vivant, même quand on n'y fait pas attention. Et ce soir, notre sapin, qui est encore vide de toute décoration, eh bien les enfants présents dans le temple vont le décorer pendant que nous chanterons d'un arbre séculaire, et ainsi ils nous montreront comment l'espérance nous a fait déjà voir les fruits que porteront les arbres qui nous semblent morts et comment cet amour qui reste vivant se magnifie par le chant d'un arbre séculaire.
Alors maintenant, il est temps d'ouvrir le quatrième paquet. Où est-il? Ah, le voilà. Voilà, et ce cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est le souvenir. C'est ce souvenir d'un événement. C'est ce qu'est une fête. Et les enfants vont maintenant nous expliquer justement quel est ce souvenir de l'événement que nous fêtons aujourd'hui. Fêter un anniversaire, c'est se souvenir du jour de naissance de quelqu'un. Fêter Noël, c'est se souvenir d'un événement. C'est se souvenir de quelque chose d'heureux qui s'est passé pour tous il y a déjà plus de 2000 ans. Dieu est venu vivre avec nous en personne. Et il s'est présenté lui-même comme un petit enfant pour qu'on prenne soin de lui. Pour que tout simplement on se réjouisse comme on se réjouit de la naissance d'un enfant. Pour qu'on puisse en prendre soin, pour qu'on puisse en prendre soin de Dieu comme on prend soin d'un nouveau-né. Pour qu'on l'aide à grandir dans notre vie. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est valable ici et partout, pour maintenant et pour toujours, et pour chacun. Dieu est là, avec nous, et en plus, il prend notre taille. Et maintenant, souvenons-nous de cet événement au chapitre 2 de l'évangile de Luc, versets 1 à 21. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David. Ainsi, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant toute la nuit. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. » Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut, avec l'ange, l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans une mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent très étonnés de ce qu'ils leur disaient. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et en cherchait le sens. Puis les bergers s'en retournèrent,
chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Et nous chantons « Un enfant est né », c'est le 376. Nous nous levons pour cela. Ces cadeaux sont tous de plus en plus petits. Et ainsi, le cinquième cadeau, vraiment que je me penche pour y arriver, qui tient dans une boîte à chaussures, que nous réserve-t-il ? Eh bien, ce cinquième cadeau, il nous dit qu'à Noël, on se raconte des histoires, que lorsqu'on est réunis, qu'on a chanté ensemble, qu'on a décoré le sapin ensemble, il vient le moment où les enfants s'assiedent autour du feu, autour d'une personne, autour du sapin, et écoutent l'histoire que lui raconte une grande personne. Et ainsi, Rosemary va nous raconter une histoire de Noël. Je vais vous raconter aussi ce soir. C'est une histoire vraie qui s'est passée en Provence, dans un village, un tout petit village. C'était la guerre. Ils étaient pauvres. Et dans ce petit village, il y avait une école. Évidemment, je ne pouvais pas vous raconter autre chose qu'une histoire d'école. Dans cette école, il y avait des petits garçons comme vous.
Et un jour, arriva un petit gitan. Vous savez tous ce que c'est qu'un gitan. Ce sont des enfants qui voyagent dans des roulottes, d'accord ? Et ce petit garçon était encore plus pauvre que les autres. Et chose très importante, il n'avait pas de chaussures. Vous vous rendez compte ? L'hiver, il faisait froid, sans chaussures. Et bien sûr, tout le monde regardait ce petit garçon qui s'appelait Django. Et puis un jour, arriva un paquet que les Parisiens, là-haut, envoyaient dans ce petit village de Provence. Et dans ce paquet, savez-vous ce qu'il y avait ? Une paire de chaussures. Vous vous rendez compte ? Une paire de chaussures pour tous les enfants. Là, c'était un véritable problème, n'est-ce pas ? Alors que décida le maître d'école ? Il n'y avait pas d'instituteur à ce moment-là. Il y avait des maîtres d'école. Alors le maître d'école dit aux enfants, écoutez, nous sommes nombreux, vous êtes tous pas très riches, donc nous allons tirer au sort. Vous allez tous écrire sur un morceau de papier, vous allez tous écrire un nom. Et puis nous mettrons ces morceaux de papier dans un chapeau, et puis le plus petit d'entre vous tirera un morceau de papier. Et celui qui aura la chance d'avoir son nom écrit sur le morceau de papier, ben, il aura les chaussures. Alors tous les enfants écrirent un mot, et puis on plia le papier, on le mit dans le carton, et la récréation sonna, évidemment. Parce que même en ce temps-là, il y avait des récréations. On joue, et à nouveau la cloche, on rentre. Et le maître dit, maintenant, il faut tirer le papier. Alors toi, qui es le plus petit, viens tirer un papier. On tire le papier, on le donne au maître d'école, qui ouvre le papier. Il regarde et il lit Django. C'était notre petit bohémien qui recevait cette paire de chaussures. Vous vous rendez compte, il était heureux. Pour lui, c'était un cadeau magnifique. Nous étions à la veille de Noël. C'était le plus beau cadeau qu'il ait pu recevoir ce soir-là. Les enfants étaient contents. Vous auriez été contents, vous aussi, n'est-ce pas ? Oui. Et puis, la classe finie, les enfants rentrent à la maison. Mais le maître dit quand même, il faut que je range maintenant. Et puis il dit, quels étaient les autres noms qu'il y avait ? Alors il ouvre, il regarde. Et sur un papier, un autre nom. Vous croyez un autre nom ? Non. Django. Il dit, tiens, c'est bizarre. Et petit à petit, il ouvre tous les papiers que les enfants avaient écrits. Et sur chaque papier, tous les enfants avaient écrit le même nom, Django. C'est beau, n'est-ce pas ? Alors vous voyez, quand on est pauvre, il y a toujours quelqu'un qui est plus pauvre que nous. Et c'est celui-là à qui il faut penser, toujours, et en particulier le soir de Noël. Merci les enfants. Après un conte comme celui-là, il y a vraiment peu de choses qu'on puisse dire, sinon que, effectivement, c'est en une nuit comme celle-ci où on peut se souvenir des choses qui sont faites pour les gens qui sont plus pauvres que nous. Mais il faut aussi savoir qu'il y a d'autres occasions, il y a d'autres nuits où il se passe des choses tout aussi miraculeuses, des choses où la présence de Dieu est au milieu de nous, en nous, parmi nous. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas uniquement à Noël, justement, et dans la nuit de Noël, qu'il faut penser à ces personnes qui sont plus pauvres que nous, mais c'est tous les jours. Et pour se le rappeler vraiment, prenons le cantique
aux nuits bienveillantes, qui peut s'appliquer en fait à toutes les nuits de l'année. Au repas dans le royaume de Dieu. Ce verset, c'est le cri de joie d'un convive invité à la table de Jésus. Seigneur, j'ai parcouru les rues de la ville. Déjà, elles forment comme un tunnel de lumière sous les guirlandes de la fête. J'ai parcouru les magasins. Déjà, les rayons croulent sous les futurs cadeaux. Les vendeurs et les acheteurs s'agitent et crient. Ils ne prêtent pas attention au chant qui annonce ta naissance. Seigneur, je me suis faufilé parmi les gens chargés de paquets. Ils ont les traits tirés et les jambes fatiguées. Ils vont et viennent comme s'ils cherchaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas trouver. Et tout à coup, moi aussi, je me suis rendu compte que, quelquefois, sans le savoir, moi aussi je cours, moi aussi je cherche dans la nuit. C'est la paix, le bonheur, l'affection, l'attention que je cherche. En quelque somme, je cherche la vie. Seigneur, fais en sorte que parmi les lumières de la ville brille la clarté de ton amour. Toi, soleil d'en haut, soleil qui ne se couche jamais, guide nos pas sur les chemins où nous trouverons tous quelqu'un plutôt que quelque chose. On parlait au début du repas, et effectivement, un des grands cadeaux de Noël, c'est le repas. Alors, essayons de deviner, est-ce que c'est le repas qu'on va avoir là, en ouvrant le prochain cadeau ? Ah ! Celui-ci, de celui-ci, on peut dénouer le ruban. Est-ce que quelqu'un peut venir ouvrir le cadeau pour moi ? Allez, quelqu'un ? Quelqu'un ? Ah, une invitation. Cette invitation, que dit-elle ? Invitation personnelle pour Aurélien et tout le monde dans ce culte qui s'est assis dans ce temple, au festin du royaume de Dieu, aucune tenue chic n'est exigée. Joie ! Eh bien, effectivement, une fois que sera terminée cette veillée de Noël, ce culte de Noël, nous pourrons tous partager le repas que les enfants vont installer dans le temple.
Ce repas que les enfants sont en train de nous préparer, c'est en quelque sorte le repas, c'est le festin du royaume de Dieu. Car à Noël, le royaume de Dieu fait un grand pas vers nous. Et nous pouvons déjà goûter certains plats du festin qui nous attend. Et alors, pour remercier le Seigneur de nous inviter, nous apportons ce qu'il nous a déjà donné. Et nous le partageons pour mettre notre joie en commun. C'est une façon de goûter la promesse du banquet où Jésus rassemblera tous les hommes réconciliés. Ce qui nous unit à Jésus, le Christ, et nous rapproche, c'est d'entamer dès aujourd'hui ce repas qui nous attend. Et enfin, une fois que les enfants auront terminé de dresser la table du repas qui nous attendra pour la fin de ce culte, ensuite, une fois que ces enfants auront terminé, ils passeront parmi vous. Et ils passeront parmi vous pour récolter ce que vous voulez bien donner en ce moment de Noël au culte, à la paroisse et aux personnes démunies. Et ainsi, ils passeront par quatre dans vos rangées. N'oubliez pas bien sûr que ce n'est absolument pas une obligation, c'est le geste que chacun veut faire, peut faire, au moment de ce culte en particulier.
Les enfants, vous vous souvenez à quel paquet on en est? Le paquet numéro 7. Allons chercher le paquet numéro 7. Alors, est-ce qu'un enfant peut venir tirer le ruban? Attention. Et quelqu'un va l'ouvrir maintenant? Oui, tiens. Allez-y, allez-y. Mais vous ne formez pas de salle devant, formez un salle derrière. Que les gens puissent voir le cadeau. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Il y a une bougie et du sel. La lumière et le sel. Ah tiens. Eh bien oui, parce que les chrétiens ont commencé de fêter Noël au moment où les jours commencent, eux, à s'allonger. À la date où ce sont les jours qui gagnent sur les nuits. Et à la date précise où la lumière commence à l'emporter sur la nuit. Eh bien, en quelque sorte, l'espérance, c'est ça. L'espérance, c'est quand la lumière est faible, quand tout semble mort et qu'on ne voit plus grand-chose, alors nos yeux s'habituent à voir dans le noir. Et là, on voit des petits signes d'espérance, on voit des petits signes d'amour qui commencent à apparaître. Et on est capable de remarquer des indices discrets qui nous rappellent que la vie n'arrête pas de grandir, même quand on est en plein milieu de la saison morte. Et c'est pourquoi Noël, c'est la fête de la lumière. Et il suffit de voir les illuminations dans les rues pour s'en convaincre. Noël, c'est la fête de la lumière. C'est la fête car c'est la nuit où tout bascule parce que Dieu nous envoie sa lumière. Et tranquillement, cette lumière, elle déchire l'obscurité la plus épaisse. L'obscurité du monde et l'obscurité de notre cœur. Et pour symboliser cette lumière qui vient à nous dans la nuit de Noël, on utilise des bougies. Et quoi d'autre? Et ce sel qui était dans cette boîte, ce sel aussi, ce sel de la terre, c'est ce qui donne du goût à notre foi et c'est ce qui donne du goût à chacun de vos jours pour signifier la lumière de Dieu qui est venue à votre rencontre dans le quotidien. Ainsi, des enfants, vous allez recevoir ce sel, vous allez recevoir cette lumière, mais auparavant, nous allons écouter Matthieu qui, au chapitre 5, verset 14-16, nous parle du sel de la terre. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans les maisons. De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à Dieu, votre Père, qui est dans les cieux. Donc chacun de vous prend un sac de sel et une bougie, qui est un cadeau à forte teneur symbolique et à forte possibilité, forte virtualité. Et alors que les derniers rangs prennent le sac de sel et les bougies, nous pouvons entonner « Voici Noël », le chant 354, et nous pouvons nous lever. Thank you.
Alors, au fond de cette grande boîte, il ne reste presque plus rien. Non. Ah, si, attendez. Voilà. Ah, un tout petit cadeau. Mais il n'y a rien, en fait. Mais... Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça, donc ? C'est une boîte d'allumettes. Pourquoi le dernier cadeau, celui qui devrait être le plus grand, le plus resplendissant, c'est une boîte d'allumettes. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte d'allumettes ? 4 petites allumettes ? Mais de la part de Dieu, on s'attendrait à beaucoup mieux. Je ne sais pas, moi, je souhaiterais que Dieu envoie comme cadeau de Noël une troupe d'un millier d'anges, un lever de soleil en pleine nuit, le temps qui s'arrête, un miracle, enfin, quelque chose de fort. Et non, qu'est-ce que j'ai ? Une boîte d'allumettes. Et avec une allumette, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien, pas grand-chose. On peut faire quoi, selon vous, avec ? On peut allumer... Ah mais oui, on peut allumer les bougies. Eh bien, effectivement, nous pouvons à notre tour allumer notre vie à cette flamme que représente cette boîte d'allumettes. Et ainsi, les enfants vont passer parmi vous pour, petit à petit, allumer les lumières de nos vies, les lumières que vous avez entre les mains. Alors chacun peut transmettre sa lumière, la flamme à son voisin à côté ou derrière. Ou... Shh, shh, shh.
Donc pour terminer, nous allons avoir un temps de prière à Dieu, pour remercier Dieu, et puis pour dire ensemble le Notre Père, si vous le connaissez. Notre Père, merci pour ceux qui sont autour de nous. Comment vivrions-nous tout seuls? Merci pour la joie qui est dans notre cœur. Merci pour ta lumière qui éclaire notre vie, éclaire notre intelligence, par ton amour, par tout ce qui vient du Christ. Merci d'avoir ainsi éclairé notre vie. Merci d'avoir mis plein d'amour dans notre existence, plein de joie dans nos jours, dans nos années. C'est vraiment une joie de vivre, ô mon Dieu, grâce à toi, grâce à tous ceux qui nous aiment et grâce à ceux que nous pouvons aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors avant de recevoir la bénédiction et d'aller manger le bon goûter, eh bien nous chantons le psaume 47 que vous avez enfin sur les petites feuilles vertes. Frappez dans vos mains, vous tous les humains. Alors à la sortie, il y a les éclaireuses qui vendent des chocolats, je crois, du côté de la sortie de la grande porte. Et puis pour le goûter, ça va être derrière cette grande porte. Donc nous avons cette fête, mais d'abord nous recevons la bénédiction de Dieu sur notre existence toute entière et sur ceux que nous aimons. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Amen. Et joyeux Noël à vous tous.